Ou adorer, montrer le remel. Et ça peut me dire aussi, n'a pas petit ménage nous, bien petit madame nous, petit mari nous, pas dit je t'adore. Si on dit ça, si on dit un monde ça, son péché que lui. Ou pas adorer personne que bon Dieu. Et bon Dieu dit que c'est seul lui-même pour adorer. Ok? Seul lui-même pour adorer. Donc on va pour adorer personne encore sous terre. Ouais, si Marie ouvre pour adorer, elle dit la vomboule. Madame ouvre pour adorer, elle dit la vomboule. Ouais, c'est chrétien, c'est bon Dieu seulement adorer. Aussi simple que ça. Ouais, si vous êtes chrétien, dis ça, mais si chrétien, on connaît que c'est bon Dieu seulement pour adorer. Donc, pas une blague dans la base. Et c'est seul bon Dieu qui dit de louange et d'adoration. Ou louer, et cœur content. Tant que mon cœur est content, yo ouais, wa. Yo est Jésus, n'est-ce pas? Se dire qu'il est content, yo loué. Voilà juste paraître là, FN et Jean-Claude a bat tambour comment c'est lui-même? Voilà. Ah, il est là. Ça veut qui bord. Quand on signe la tête de son paraître là, ou bien c'est Anderson qui a bat tambour. Et il paraît et puis nous tombe dans sa vie derrière nous. Ou bien, danser n'a pas loué. Ou besoin de danser Lougaou, ou besoin de danser Vaudou, c'est pour aller en non, si on ne peut pas côté, il y a le danser. A loué. Femme qu'on pour qu'il soit loué. L'éternel besoin qu'on pour qu'il soit loué. L'on a c'est pas venu danser. L'on a pas venu danser. Ouais, la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que c'est gloire à Dieu? Il dit ça, alléluia, Zivi. De beaucoup de temps, ça vous en a Zivi. Vous l'avez dit, vous nous dites, pour nous compte, ça n'a pas dit. L'on dit alléluia, vous voulez dire gloire à Dieu. Et vous en a besoin pour nous dire, tout le temps de nous dire, vous en a. Et tu? Même bagaille, non, même bagaille. Qu'est-ce que je toujours? Femme songe, si je songe avant, je finis pour me dire. Donc, parce que là, on n'a pas là avec bon Dieu, si, écoutez, pas oublier que nous n'avons pas besoin de dire bon Dieu en bagaille pour le connaître qui ça nous besoin, qui ça nous voulait dire. Mais s'il demande nous pour nous parler avec elle, c'est parce qu'il voulait pour nous parler avec elle. Et l'on parle avec elle, faut ou parler non en langue que li comprenne et sodi a c'est l'île tande il parler toute langue et bon Dieu utiliser langue d'ailleurs nous songez bien pour te confondre en milieu mais ça fait l'homme on a parlé pas dit n'importe quoi la tour de Babel eh bien ou tes gens qui étaient de vagabond que tu as besoin font tout pour rencontrer pour ce qui ça bon Dieu fait. On dit, oh, et pas c'est nous tous parler la même langue. Qui fait nous construire tout pour nous garder des millions. Il fait chaque monde parle en l'autre langue. Et puis, il y a confusion totale capitale. Et puis, il y a campé, tout Babel pas capable de faire. Ça fait langue, ce bagage qui est extrêmement important. Nous n'avons même besoin de prier. Bon Dieu, parce que bon Dieu compte tout ça, nous besoin. Mais il voulait que nous prions. Il y a une raison. Donc, l'on parle à sortir, c'est ça, attendez. Et l'on a dit ça, parce que par contre, l'on a dit, Satan content. Parce que l'on a son monde qui confus. Normalement, parce que par contre, l'on a dit. Ou par contre, l'on a dit. L'on a dit. Alléluia, alléluia, alléluia. Ou par contre, c'est gloire à Dieu, l'on a dit. Ou par contre, l'on a dit. Ou par contre, l'on a dit. Et pas comme on dit tout, alléluia, signifie gloire à Dieu. Et vous dites, abdi, alléluia, comme ça, dans le vide. Faut assez souvent, abdi, alléluia, ou pas qu'on est. Si c'est gloire à Dieu, vous voulez dire. Regardez bien pour vous. Regardez que vous avez dit, alléluia. Et pourtant, vous voulez dire, gloire à Dieu. Regardez bien si c'est ça, vous voulez dire, l'audit, alléluia, là. M'abtenez aux annales. Hein? Et ils sont cris de joie, oui, ils sont cris de joie.
Mais dans l'image de Ramoa, dans le très triomphal de Jésus à Jérusalem, est-ce que le peuple a crié au Hosanna? Oui. Qui ça a été voulu dire, les arts? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que langue ou façon, et si tu appelles l'hébreu, dépend de circonstances. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça, peuple, t'a crié. Alors, dit Hosanna, là, ou même, qu'est-ce qu'on veut dire? Qui sont vous les dit? Qui sont vous les dit? Oh, Satan comprend nous, l'Éternel comprend nous. Mais est-ce qu'on dit nos façons pour le signifier ça que c'est dans le cœur là? Pas dit n'importe quoi. Et c'est ça que fait assez souvent, dit nous, prier, nous prier, et puis on coller là dans le plafond, on va arriver plus haut. Parce que Satan bloqué. Pau! Satan bloqué. Satan bloqué prière nous toute la journée. Parce que nous parlons, nous disons ça ne pas connaît. Yeah. Et en pile, nous toujours connaît. Nous toujours connaît. En pile, nous. Son défaut pour nous quitter. Et nous là pour nous apprendre, nous apprendre ensemble. Donc, il y a un cas de monde dans le peuple là, n'est-ce pas? Qui peut louer Jésus parce que yo te connaît Jésus comme monde qui sauve yo dans le péché. Parce que ce n'est pas juste ça, Jésus est venu sur la terre, nous d'accord, c'est pas un jeu de ramolte là déjà. Mais yo te accueilli parce que tout simplement yo te tendé gon Messie qui vient faire une révolte contre Rome. Bon Messie qui a venu pour craser Rome, pour craser Romain. Et c'est peut-être ça que t'as accueilli comme ça. C'est peut-être ça que retirer tunique, robe, yo mettez sous d'autres bourriques là, parce que Koulia yo gon nom qui a venu craser Rome pour yo, qui a venu bataille pour yo, parce qu'il a parlé de roi, il a parlé de royaume, mais yo pas connaît que royaume Jésus-Christ c'est royaume céleste. Palais Jésus-Christ c'est palais céleste. Jésus va venir goûter contre Rome. Mais vous-même, c'est ça qui attend et ça qui fait que vous bravo. Et ça qui fait que vous acclamé Jésus. Vous avez dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna! Et comme ça, vous avez dit, parce que vous ne parlez pas français. Donc, c'est comme ça, ouais. Il y a un monde qui vient goûter pour vous. Il y a Moïse Jean-Charles qui vient goûter pour vous. Il y a Guy Philippe qui vient goûter pour vous. De vagabond. Il y a le goût de vous, vous capable. Moïse pas assassin, mais Guy Philippe sont assassin. Et vous pouvez venir acclamer comme président. Sans avouer, tout le monde peut acclamer Guy Philippe sans avouer. Et ça me dit en connaissance de cause. Et moi, je suis capturé mon cap 2004, de l'Ocap haïtien. Quand on prend sans avouer, qu'on soit 20 000 pour aller représenter Haïti. Qui bon? Criminel, oui. Criminel. Et la loi dans tout pays, on est qui fait prison pour Zach malhonnête, pour drogue, etc. Ou pas de droit. Représentant du pays. Et pour pile, vaut rien pareil, il y a battre bravo pour lui. Alors, vous pays, ça arrive aucun côté. L'Éternel dit, depuis pas de justice, pays, ça condamné. Oh, please. Il y a un petit problème personnellement avec Nelson Mandela, mais quand même, nous allons comparer ça avec Nelson. Quand même. Non, Mandela te fait prison parce qu'elle t'a goûté pour la liberté, elle t'a goûté pour le respect, pour le droit de tout le monde. Guy Philippe, c'est même Américain qui t'a employé, c'est même Nex 184 qui t'a crasé pays, c'est pour yon le t'a travail. Et pour pas capable être dans le pays, pour pas être dans la zone, pour pas ici, parce que je me dis, ouais, la et vous tombez tout yon pile jeune. Ça vous fait. Pas même bagaille, monsieur. On a cherché excuse
pour honorer vagabond. Il faut que courage pour dire. Elle a prêché l'évangile, c'est vérité pour dire. Va dire ça que pas ça. Donc mon sa yo te wè Christ vin goumen pou yo, vin goumen pou yo. Ouais, donc et c'est ça fait yo akil tan kou wa et yo t'a crié Hosanna parce que yo te reconnaître comme petit David, ouais, qui vini au nom du Seigneur. Ouais, kou la ki sa Hosanna signifie? Béni, ouais, tout ça signifie béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il n'y a pas cri de détresse. C'est de joie. Il n'y a pas de détresse. C'est content ou content Jésus vini. Quelle détresse là? Il n'y a pas de détresse. Non, il n'y a pas de détresse. Vous n'avez pas de détresse. C'est acclamer Jésus qui est content parce que Jésus vini, vini goumen contre Rome. Ouais? Et vini goumen contre Rome. Okay? C'est ça. Lié pour vous. C'est ça, lié pour vous. C'est ça, vous signifie. OK. Allez-y. Et après ça, là on vient de remarquer que c'est pas ça. C'est même monde qui t'a pris les Hosanna, c'est eux même qui va le dire crucifie-le. Même eux-mêmes. Il va dire Hosanna encore. C'est des qu'il y a d'arrêter les Hosanna, non, qu'il y a de crucifie-le. Crucifie-le. Luc 23 verset 20 et 21. Donc, même monde qui t'a accueilli Jésus en héros, c'est eux-mêmes en premier qui rejetaient Jésus. Eux-mêmes en premier qui rejetaient Jésus. Même les gens qui ont dit Hosanna, c'est eux-mêmes qui ont dit crucifier Jésus. Oui, bah, il a passé ces jours-ci. Il y a de nouveau sur le soleil. Donc, histoire de l'entrée triomphale, les riches en contraste. Et pendant le contraste là, alors pour le monde qui lit les textes quotidiens, on décrit, il y en a un texte, c'est mardi 19. Et puis, m'écrit contriste. Et bien, comme c'est tout sous téléphone, le téléphone a changé le contraste. Mais moi, ça même. N'oubliez pas, il y a un mot contriste que m'écrit. Et puis il finit publié, et puis c'est les malils, et puis moi, contraste. Il dit, oh, à nos causes. Donc, je suis obligé de mettre en note de correction. Il dit, c'est contriste. Contriste, c'est le français ancien qui signifie attriste. Donc, le verbe, c'est contrister. Donc, puis attrister. Donc, pas attrister le Saint-Esprit. Mais dans le contexte, là, je suis obligé d'utiliser contriste au lieu de attriste. Et puis, ben, c'est le contraste là, qui téléphone n'a mette. Bon, en tout cas, des voies de correction. Hein. Donc, ce qui contriste le Saint-Esprit, là, c'est contraste, c'est normal. OK? Donc, l'histoire de l'entrée triomphale, les grands piles contrastent la donne. Et contraste, ça a gagné des applications concrètes pour les croyants, pour les gens qui croient dans Christ. Donc, Jésus vini en humble serviteur à Jérusalem. Il est monté sous un tibouïc. Un tibouïc que personne ne peut jamais monter sous lui avant ça. OK? Donc, Mounio mettait Robio sous deux tibouïcs là. Il mettait palmier à terre, etc. Tibouïc là marchait sous palmier. Jésus monté sous tibouïc là. Il est allé, n'est-ce pas? Donc, il va te monter sous cheval pour te galoper. Ah oui? Il est sous cheval. Il est cheval, c'est un gros bagaille. Au moins, il y a un bourrique qui peut. Ah oui? Donc, il n'y a pas de rade royal sous lui, mais il y a un rade pauvre, humble, c'est ça le sous lui. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour l'Italie dominer par la force. Jean, ou atterrer sur Félix, Jean. Peuple a été souhaité qu'il t'a fait. Il n'est pas pour ça le deviner. Il n'est pas devenu goumé avec aucun roi sur la terre. Mais il devine avec amour, grâce, miséricorde. N'est-ce pas? Pour être capable de sacrifier lui-même pour son peuple. Et il n'est pas devenu sacrifier pour Haïtiens, ni Américains,
li français, il devine sacrifier tête li pour les juifs. Ah oui, nous d'accord. Pour les juifs. Donc, mais nous venons bénéficier. Nous venons héritier. Parce que même juif ça a dit Hosanna, Hosanna, il a rejeté, monsieur, il n'a pas besoin. Donc, il y a juif, il n'a pas besoin. Et puis, monsieur offre tête libre à tout le monde. Oui? Il offre tête libre à tout le monde, tout le monde qui veut l'île. Nous avons dans Jean 1, elle dit que c'est par grâce que nous joignons salut. Il va venir pour nous. Il va venir pour nous. Comment texte en dit encore? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et donc Jésus était Dieu. Il est venu chez les siens. Chez les siens, il dit qu'il vient quand il ne parle. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Moun palio pas recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, juif yo pas recevoir. Ok? Donc, Koulia, li offri tête li à tous. Hein? Et ça fait nous vin héritier, co-héritier. Tu vois, great. Et comme je l'ai dit, des gars femmes là, ouais, m'offrir habitude me, et habitude me pas bien dit bon puis habitude me pas bien bon m'offrir nous. Donc c'est pas nous originalement qui était là pour te bénéficier. Par contre, le gars dit c'était dans le plan de Dieu. Parce que la rédemption, t'es là dès le début. Ok? Rédemption, t'es là dès le début. Ok? T'es là dès le début. C'était dans le plan de Dieu pour te faire, j'en fait là. Mais pour ne connaître que, c'est travail pour nous travailler, pour lui, c'est bon bagage qui cap vu une genou comme ça. Donc, si nous ne pas travailler pour lui, nous ne pouvons pas gagner. Et ça fait nous ne pas capables de sauver net. Donc, si Jésus effectue entrée triomphale dans le cœur, donc l'a prié avec paix, l'a prié avec amour. Ça fait nous dire, nous, votre cœur doit être l'adresse du Saint-Esprit. Et sous quitter Jésus entrer dans le cœur, l'y régner. Donc, il y a choisi le cœur comme palais. C'est son palais à lui. Vous pouvez habiter dans le cœur. Vous pouvez le ça, il y a, n'est-ce pas? Nous avons gagné l'amour, nous avons gagné la paix. Donc, nous-mêmes qui disciples, nous devons manifester la même qualité. Jésus gagne pour que le monde capable de voir en nous-mêmes. Que le roi véritable qui est Christ la vive dans nous, la brille en nous. Et c'est ça la signification de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ça nous est le dimanche des rameaux. Donc, nous souhaitons parler de Jésus qui est entré dans le cœur. Dans le cœur, pour le rayer avec paix et amour. Tout ça fait partie des fondements de l'Église. Vous croyez que nous parlons de ça, mais nous dit encore, pour nous comprendre, parce que tellement de confusion dehors. Donc, là, la vérité, il y a un problème. Et moi, je la vérité, je n'ai pas l'autre bras que ça. Donc, pour le monde qui dit, par exemple, l'Église, et commencer au jour de la Pentecôte, son mensonge. L'Église n'a pas commencé au jour de la Pentecôte, l'Église inaugurée au jour de la Pentecôte, l'Église était déjà là. Et pour yoka diba yoa, fausseté yoa, imbécilité yoa,
Vous comprenez? Nous devons pas gagner l'église sans le Saint-Esprit. Vous comprenez? Or, le Saint-Esprit peut être sur la terre. Par conséquent, avant la Pentecôte, pas de gagner l'église. Quelle imbécilité, une fois de plus. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Et bien, le Saint-Esprit va avec l'église. Quelle stupidité. Quelle stupidité. Et aux jeunes des pasteurs qui ont enseigné cette fausseté et aux jeunes des fidèles qui ont accepté fausseté, ça. Et puis, combat aux vérités assez haut par contre la Bible. Et puis, lisons dans la Bible là. Tout le monde pas connu Jésus, tout le monde qui a vécu dans le temps Jésus, pas connu Jésus avant la Pentecôte. Jésus pas sous terre avec eux avant de démonter. Et là Jésus te dit disciples, il peut aller disciples, bon où aller quand on quitter nous. Elle dit nous pas besoin sauter, nous pas aller mais m'a voué pour nous le consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc il monter puisque il parle encore donc le Saint-Esprit descend que l'on pas qu'à encore, il vit avec nous en esprit. Bon qui ça on ne pas qu'à comprendre là pour la baille menti, mais il tellement baille menti en longtemps. Là la vérité à en fielle, faut le goumer, la fait orgueil. Oubliant que les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Ou pas de connaît, ou bonne vérité, dit merci beaucoup. Mais ça même d'aujourd'hui, nous-mêmes ici à l'Église Baptiste d'Israël. Donc, à chaque fois que nous disons qu'il n'est pas correct, il fait mal. Il va pile j'ai fort pour ne pas dire tintin. Il y a trop de tintin dehors. Je vais lever mon zèle. Oui. Répétition. C'est ça le signifie. Alléluia signifie gloire à Dieu. Donc, si vous finissez Alléluia, on dit gloire à Dieu encore. Vous juste dites deux fois. Mais non, si vous voulez dire Alléluia, on va parler hébreu. J'ai hébreu pour ne pas aller dire Alléluia. On ne vient pas là. Mon bah hébreu, bah juif. Moi-même, bah les hébreux. Je dis Alléluia, moi, je suis un peu comme ça. Donc, vous voulez dire Alléluia, dégageons. Même, il faut comprendre que Alléluia dit, et vous voulez dire gloire à Dieu. Et ça le signifie. Donc, si c'est gloire à Dieu, vous voulez dire, dis Alléluia. Et puis, regardez quand on dit Alléluia, est-ce que vous semblez à gloire à Dieu? Est-ce que c'est gloire à prendre à Dieu, on dit Alléluia là? On dit Hosanna. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dégagez. On dit Alléluia. Oui, gloire à Dieu, gloire au bon Dieu. Et on dit Alléluia, c'est ça que vous dites. Gloire au bon Dieu. Ok? C'est Amazon, c'est fini. La paix, bon Dieu avec nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous bâlons l'orange, mais c'est lui-même celle qui mérite, parce que nous, dans la matinée, nous sommes présents, Seigneur. Il fait nous dormir, nous lever, malgré un pile parole, un pile nouvelle, mais c'est avec nous, il kembe nous. Il bat nos protections, pour nous capables d'entendre la matinée. Après, continuer dis bon Dieu, merci pour passer Vladimir, qui est toujours là, qui ne va jamais décourager, qui ne va jamais faiblir, qui est toujours prêt pour lui porter la parole pour nous. Nous disons bon Dieu, merci, nous demandons bon Dieu, présence, assistance, pour continuer à kembe. Et pour continuer à kembe nous tous, nous-mêmes qui élèves, nous venons dans la classe pour nous capables de kembe en bagaille, pour demain se dire. Nous prions. Dieu fort et grand, Dieu tout puissant, bon papa nous qui dans le ciel là, exaltez nous, Seigneur, nous merci pour fidélité envers nous, Seigneur, envers chaque monde qui est toujours dans la classe les matins.
Nous bénissons aussi le pasteur Vladimir, c'est un serviteur qui n'a jamais bouqué, qui n'a jamais faibli, qui n'a jamais découragé, c'est un dans la classe, malgré c'est un sorti loin, il est toujours présent à l'heure. Nous bénissons aussi pour ça, nous exaltons nous. Toute louange, toute gloire, c'est pour le Seigneur. Maintenant, c'est dit, nous pas gagné pour nous remercier aussi, parce que nous dormons, nous réveillons dans le sommeil et la mort. Il y a des gens qui dorment, qui ne peuvent pas lever. Il y a des gens qui lèvent, mais qui n'ont pas une chance de venir là, dans la classe. Je demande d'aider-nous, c'est comme élèves, pour nous apprendre, pour demain, c'est nous, Seigneur. Les nouveaux côtés, c'est pour nous pas en baba, pour nous pas en regard, c'est Dieu. Pour nous pas dans le monde, c'est qui finit garder visage dans la glace, c'est nous, c'est Dieu, nous pas comment nous t'aider. Aidez-nous, matin, c'est Dieu, retenez nos volontés, fais-nous marcher avec vous. L'église baptiste d'Israël, c'est Dieu qui est dans la classe. Faites que c'est Dieu, nous pas chita dans la classe, pour chita, c'est Dieu, nous chita pour tout élève. Les joies vont arriver, c'est Dieu, nous va recevoir, c'est Dieu, ça nous te prend dans la classe, c'est Dieu, nous va recevoir récompense, nous. Nous vous remercions, Seigneur. C'est qu'à la côté, nous devons couvrir les Seigneurs. Nous avons des éditions de grâce. Chaque monde qui attend l'école, la souligne, dans Seigneur. Ça qui est là, c'est de ne pas faire des places. Ça qui attend sur YouTube, là, Seigneur. Aidez-nous à pratiquer la parole. Parole qui a grandi dans nous-mêmes, Seigneur. Matéan, Seigneur. Chaque qui vient pour venir, Seigneur, dans le service. Ça qui est là, Seigneur. Ça qui décourage. Il y a une force. Puis qu'on a mis dans le temple, Seigneur. Parce que nous, là, Seigneur, Seigneur. Nous pas même gens avec les nous dans le temple. Nous dans le Seigneur, nous sommes l'autre. Nous ne baillons pas la nous fait que nous content. Et comme ça, Seigneur, nous content tout Seigneur, nous fait que nous content. Les nous rencontrer avec l'autre. Mais service à Namon, c'est du service qui va commencer. Chaque monde qui va le faire bagaille. Dans le service à Seigneur, ça qui va l'adorer, Seigneur d'adoration, c'est du monde qui va l'adorer, Seigneur, papa, avec vous. Chant qui va chanter, c'est du musicien, Seigneur. Mais ça est parole, Seigneur. Un groupe ça, Seigneur, matin, un groupe d'accueil. Qui a fêté, Seigneur, qui a fait ça, qui a entré la caillou. Et vous capable de réjouir, c'est-à-dire, ou même tout, c'est-à-dire, vous capable de jouer une gloire dans le fait ça, c'est-à-dire. Nous prions, papa. Dans le nom Jésus, petit tout qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche. Amen. Gloire à Dieu. Quand on matin, nous là, la présence de bon Dieu. On va commencer notre service avec le cantique des chants d'espérance 89 français. Il me conduit de ses pensées, oui, pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit et par la main, il me conduit.
Thank you.
chapitre 11, verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. De que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ainsi. » Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent Jésus à l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux des très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tous considéré comme il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Rendez gloire à l'Éternel et honneur. Rendez gloire à l'Éternel. Gloire pour son nom, car il est digne de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Nous invitons la sœur Chiraki de nous rejoindre. Il semble qu'elle n'est pas arrivée encore. Nous appelons Pasteur. Petit frère, pour la prière à l'adoration, pour l'appel à l'adoration à la gloire de Dieu. Éternel Dieu d'amour, nous te disons merci de ta présence parmi nous. Et à présent, nous réclamons ton cœur qui doit se joindre au nôtre pour mieux t'adorer. Que Dieu nous bénisse. Amen. 85 Français, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise quand je suis ignorant. Quand ils me conduisent comme un petit enfant. Amen. Thank you.
19. N'avez excusez-moi parce que je ne sais pas de connaître si c'est moi qui t'ai fait lecture là, je ne sais pas de préparer. Marc 11, verset 12 à 18. Deuxième lecture qui se trouve dans Marc, chapitre 11, les versets 12 à 19. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux et sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Parole du Seigneur. Amen. Encore mes excuses. Amen. Gloire à Dieu. Mon Dieu, merci. Maintenant, on en place ça. 97 Français, Jean d'Espérance. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Guide Zaba, Jamla, Guénounaou, qui est toujours présent. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Je connais un guide infaillible qui constamment I'm
Amen, l'église, bon Dieu, bienvenue. Nous disons bon Dieu, merci pour nous tous qui réunis là, bien-aimés, qu'on est bien pour disposer nous pour la troisième prière, bien-aimés. Seigneur de l'amour, papa, nous qui avons dans le ciel là, nous réunis devant, Père Saint. Oui, nous réunis dans le ministère, Seigneur de l'amour, côté où qu'on est, Père Saint, côté qui est devenu par gloire, qui est même seul mérité. Oui, Seigneur de l'amour, nous ne pouvons pas suspendre de remercier, Père Saint, tout le monde qui est là, qui réunit, Père Saint. Côté qui est venu nous voir, Seigneur de l'amour, qui est nous chaque qui est là présent, dans le temps, dans le minute, ça, Père Saint. Oui, nous comptons pour qui raison qui nous là, Père Saint. Oui, nous avons moyen pour nous là, Seigneur de l'amour. Ce n'est pas volonté par nous, mais c'est volonté. Nous demandons de guider nous, faire route avec nous, protéger nous, Seigneur de l'amour. Bon engouement pour nous toujours venir par la gloire qui est même seul mérité. Oh, l'éternel de l'amour. Dans la minute, ça, c'est d'amour. Nous réunis devant. Parce que nous connaissons tout ça, nous avons besoin. Dans la minute, ça, il n'y a pas qu'à l'autre, c'est d'amour. Nous avons besoin pour grandir la caille, nous, c'est d'amour. L'amour, l'ancien d'amour. Oui, Père Saint. Dans la minute, ça, c'est d'amour. Nous disons merci pour tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on continue de faire pour nous. Et merci pour la gloire que vous avez portée pour nous. Côté que vous avez baillé, vivre pour nous-mêmes, c'est d'amour. Et nous-mêmes, ça n'a peut-être pas bon pour nous-mêmes. Mais c'est gloire pas. Parce que c'est ça, tes missions. Pour être capable de sauver la vie, nous. C'est pour te mourir pour nous-mêmes. Oui, Seigneur d'amour, nous nous merci pour ça que fait que nous ne comprenons pas. Mais nous-mêmes, si on gloire pour vous, parce que c'est mission ultime. Nous nous merci, Père Saint. Quand est-ce que nous venons réunir devant pour nous dire merci. Et merci, nous, Pape Jean, fini, Père Saint. Parce que tout ça que nous avons besoin dans la minute, ça, il n'y a pas qu'à l'autre, qui est l'amour, qui est vous-même, qui est présent. Nous demandons de blâmer l'amour là qu'à nous, une pour l'autre, et conduire nos pipères. De jour en jour, c'est d'amour. Mais tout qui est là, bon, nous, gourmand, Père Saint. Mais nous, devons, c'est d'amour. Cap diriger l'église, cap diriger service la personne, nous, de diriger, faire route avec vous, musicien, Père Saint, accompagner vous. Vous connaissez tout ça, tout le monde qui est là, qui ça a manqué, qui ça a besoin, côté pour soutenir vous, Père Saint, nous, demandons, que volonté vous faites, c'est d'amour. Oui, c'est d'amour, nous prions pour ça. Pas parce que nous sommes bons, ni nous dignes, mais nous prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Thank you.
Agnès Rita pour les mots de bienvenue. Bon Dieu béni nous. Nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, nous avons dit Jean, fouette, je ne sais pas comment ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes contents pour nous capables d'accueillir dans l'église baptiste d'Israël. Est-ce que vous acceptez? Vini adorer ensemble avec nous jodi a. Nous voulons dire bienvenue à chaque monde qui est là ensemble avec nous matin. Si vous êtes membre de l'église là, nous content ouais. Mais si vous êtes invité, jodi a nous gagnons un petit mot spécial. Nous avons un chanter spécial. Nous voulons chanter pour. C'est ça que fait n'a demandé si gagnons un monde qui viennent visiter nous pour la première fois. N'a demandé au fond du campé, l'église capable ouais et puis tout a dit qui est ce monde qui t'est invité. Gèlè visiteur nou genyen li yon ti jan timide. Alors pa gen problème. Gen yon nan mam akèy yo k ap rive kote ou ye a ou pa bezwen deplase. Seulement ou met seulement salue nou. Pa gen problème, ou pa bezwen kanpe ni deplase. L'église ap kote wè ou. Wow. Good morning. Good morning. My name is Venetia, and then my mom invited me. Amen. Mes amis, Sœur Vanisha nous compte well. Sœur Vanisha tellement timide et que c'est maman li qui invite li, c'est la sœur Célisna qui fait invitation ça pour nous même matin. Hein. Mes amis, on nous campé, on montre Sœur Vanisha nous compte well li. Nous pral chanter petit cœur qui dit nous compte well sœur moi. Sœur Vanisha, nous comptons well, et nous espérons que la voix le fera pas. Yeah.
Vanisha, bon Dieu béni, nous content et nous espérons n'avoir où une autre fois encore. Chaque monde qui présente ensemble avec nous content ou. Et il y a un bagage qui t'a vraiment marqué nous aujourd'hui, hein? Parce que aujourd'hui on a célébré dimanche des rameaux. C'est entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous pas et aujourd'hui à tous c'est au 4e dimanche dans mois mars là. Alors nous pas connaissons si gagne un monde qui songe jour ça ou bien 4e dimanche ça ou bien pendant semaine non, il était accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans la ville. Si gagne un monde comme ça, n'a demandé au faire un petit campé, n'a content ouais pour nous chanter pour une façon pour pas oublier date où tu prends engagement. Qui ça l'église dit? Ensemble avec frère nous alors s'il y a quelques témoignages ou bien quelques mots livre dit nous que qui comme on va dire qui marquait la ville pendant que lui-même il acceptait Christ là. OK, merci. L'église bon Dieu bénis nous. Amen. Et encore une fois m'a salué et nous pour présence tout. Et quel côté côté quel que soit côté sorti de près de loin, m'a salué tout le monde, n'a dit tout le monde. Bienvenue à l'église baptiste sous la direction de notre pasteur Vladimir petit frère. Bon, je ne sais pas si j'ai un bagage pour me dire parce que je me dis déjà, et c'était dimanche passé, je suis baptisé un jour avant l'anniversaire de naissance. Demain, c'est 25 mois, ça fait, c'est fait. Moi. Et puis, je suis baptisé un jour qui est avant l'anniversaire de naissance. Ça veut dire que j'ai deux bagages que j'ai pété là, j'ai trois bagages que j'ai pété là, parce que je suis un seul garçon qui était baptisé dans mes temps 5 filles. Ça veut dire que c'est une bénédiction parce que le pasteur Alex a 5 filles, et ce qu'on ça me donne, qui était déjà sous l'islam pour être baptisé. Mais moi-même, étant musicien à l'église, là, nous avons un petit problème. Côté que, par exemple, le pasteur n'a pas voulu que je continue à jouer à l'église. Si, par exemple, je vais faire la paix avec mon Dieu, si je ne vais pas dans le baptême. Et à mon grand étonnement, comme je dit déjà, et un baptême qui a fait 2 semaines après, et observation. Hein, et puis, moi, le pasteur, je suis prêt. Parce que je me pose 2-3 questions qui ont rapport avec la Bible et puis qui ont rapport avec ça que les baptêmes. Non? Nous répondons aux questions. Est-ce que vous comprenez? Et puis je me dis, bon, je parle, je ne sais pas si c'est la musique seulement que je conduis. Je parle comme si je m'avais tout pour plonger dans le sein du baptême. Et puis pour, est-ce que vous comprenez, ça me donne aider nous, est-ce que vous comprenez, ça me donne véhiculer le message de bon Dieu à travers le monde. Et c'est ça qu'on appelle là dans l'église baptiste d'Israël. Et je me dis déjà, et peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Et si vous regardez sur Facebook là, pour vous, je suis retourné sur la langue américaine. Je ne pas aller dans l'église côté que je suis baptisé. C'est là que je suis ensemble avec le pasteur de mes petits frères, à travers l'hospitalité que je suis à travers comme si je suis tout humaniste que nous venons dans lui-même. Encore une fois, bon Dieu, bénis-nous. Et merci du fait que nous consacrons ça avec le frère Jean-Claude Victor. Est-ce que vous comprenez ça? Moi-même, est-ce que vous comprenez ça? Encore une fois, merci pour la chanson. Hein? Très belle chanson. Hein? Ok, l'apprécie beaucoup, merci. Amen. Ça a vraiment fait plaisir. Nous content et que nous souhaitons chaque monde qui a une bonne participation, continuer, mettre à disposition
pour capable rentrer tout bon vrai dans service là. Bon Dieu béni nous. Amen. Amen. Fait appel à pasteur Duré pour Philippe Duré pour les annonces à la gloire de Dieu. Et l'autre fois encore, l'église, bon Dieu béni. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Comment nous est? Moi qui belle, mon nom est là, qui est chita là. Oui, mais ça, notre Bible, bon Dieu, gloire, oui, mais ça, bien aimé. Alors, pour les annonces de l'église, bien aimé, nous connaît dimanche l'église baptiste d'Israël de 10h à 1h. Et côté que nous connaît, 10h, nous avons l'école dominicale avec pasteur nous. Quand on vient là, nous jouons bien-aimés en pile parole, en pile connaissance qui a tombé. Parce que connaissance, ça, nous ne pouvons pas de tous côtés, bien-aimés. Alors profitez, bien-aimés, pas gaspiller le temps, nous. Alors profitez le temps, bien-aimés, parce que je ne suis pas bon. Les enfants et les moins jeunes de l'église baptiste d'Israël, bien-aimés, ils ont rencontré avec Sœur Minerva et Sœur Miloka, quand on a grandi dans le créatif pour mon Dieu. Et nous connaissons bien aimé Timounio à l'école, il y a pas su, il y a quelques bagarres, mais on peut pas ramener autant dit qu'il a porté la caille, il va attendre encore. Mais avec créatif, bon Dieu bien aimé, on met faire bon Dieu confiance, ça on va venir l'absorber. Nous gagnons bien aimé, nous gagnons le 10, nous gagnons deuxième service, nous, église baptiste d'Israël, de 7h à 9h. Quand on gagne, attend tout le monde. Ces connaissances là cap tomber une fois que vous avez opportunité à bien aimé venez ramasser parce que soit que d'en prendre donc au cabri de la douille sac dans ventre de l'ipal soit prend elle pour lier ou n'a pas joué encore dans l'espace que vous avez joué il n'y a pas été loin venez prendre connaissance là. Nous gagnons le 10 soir bien aimé nous gagnons service en ligne avec les fébélidiennes de 8h à 9h et mardi soir nous gagnons chant et témoignage à l'église de 7h à 9h. Mercredi matin, nous avons jeûne et prière de 9h à midi. Et nous connaissons chaque premier et chaque deuxième mercredi, nous avons prière à domicile, c'était 9h. Une fois qu'il y a une prière à domicile, eh bien, nous avons réuni dans le temple bien-aimé. Et nous demandons à chaque monde qui a besoin de prière. On va contacter l'évangéliste Rita qui va de Kiyoun dans deux mercredis ça qui est bon pour vous. Parce qu'il a besoin de la prière, bien aimé. C'est si pour qui est bon Dieu qui est pour vous. Quatrième, chaque troisième mercredi, nous avons une formation sur l'évangélisation de 7h à 9h avec pasteur, nous, le docteur Vladimir de Terre-Neuve. Et chaque dernier mercredi, nous avons une formation des ouvriers de 7h à 9h. Comme nous connaissons tous qui là, nous sommes ouvriers, de vous avoir l'opportunité à venir ramasser. Mercredi de mes cap vini là, c'est va dernier mercredi dans moi. Et bien, il y a une formation qui a tombé, bien aimé. Vin prendre, ou même des ouvriers de l'église. Prouver l'Éternel qui est ouvrier, ouvrier. Oui, ouvrier, apprendre de lui-même. Alors, frères et sœurs, vini dans la formation ça. Nous gagnons jeudi soir. Nous avons une étude biblique avec pasteur, nous bien aimé, de 7h à 9h. Toujours connaissance qui a tombé. Alors, de vous avez une opportunité, pas négliger, bien aimé. Chaque premier dimanche, nous avons une réunion des huissiers et côté que nous connaissons jeudi, qui a fêté un an, bien aimé, depuis qu'il y a bail bon Dieu service, depuis qu'il y a accueilli nous, bien aimé, qui bon Dieu prend plaisir dans ça qu'il y a fait. Et soutenir dans le manque, dans ce qu'ils ont besoin. Nous connaissons chaque dernier mercredi, dis-moi, nous avons une veille de nuit. Et vendredi, ça a comme là, nous avons une veille de nuit là-dedans. Mais nous avons tout fait service vendredi, c'est la veille de nuit, nous avons tout commencé tout de suite après. Nous connaissons bien aimé, chaque deuxième dimanche du mois, nous avons une réunion des fibélidiennes.
Et nous connaissons octobre 2023, octobre 2024, qui c'est l'année des récompenses de l'Église baptiste d'Israël. Verset de l'année, c'est Romains chapitre 2, le verset 6, bien-aimé, Christ traitera chacun conformément à ses actes. Christ a baou ça qui est au mérité. C'est-à-dire, pendant que vous là, bien-aimé, place Cochita, et vous-même qui propriété. C'est vous-même qui vous faites travail là, pas garder ce fort là, ce ciel là, qui a bon coup de Dieu. Parce que son fait, c'est lui qui va prouver. Ça, ce fort là, ce là, c'est lui-même la précivoire. Alors, pas garder ce personne, fait travail, Jean bon Dieu, vous le faites. Qui nous fait le mal, qui nous fait bien, ça dépend de bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui vous le fait comme ça. Là pour corriger, là pour corriger. Amen. Nous avons chanté de l'année, bien aimé, gloire à l'agneau, recueil 19. Je suis un soldat de mon roi. Si on t'a posé une question, ça, soldat qui est couillé, qui sera dit? Nous serons tous couronnés après la bataille. Assure, est-ce qu'on est en bataille? Parce qu'on doit couronner après la bataille. Là. Qui a des batailles qui va couronner? Posez-toi une question, ça. Pour est-ce qu'on est dans la carrière ou bien est-ce qu'on est si ou pas près de l'eau? Pour terminer, bien aimé, comme nous connaissons, vendredi saint, cap 29, service de vendredi saint, et puis veille de nuit, côté que nous attendons les sept paroles de Jésus, bien aimé, vingt tant de paroles, parce que son gloire qui est liée pour nous, côté que nous attendons des missions l'éternel, qui ça devine faire, mais comment ça te passer, parce que c'est des gloires à nous. Si ça va te faire, bien aimé, moi-même, nous ne pouvons pas la dire, parce que c'est ça pour te faire, c'est des missions l'éternel pour nous-mêmes. Pour venir sauver nous dans ça qui nous fait. Nous avons 31 mars, qui c'est Pâques à l'aube, dimanche 5 heures. Nous avons fait parce qu'il y a 5 heures, Jésus est ressuscité. Après 3 jours, 3 nuits, bien aimé, ce Messie est ça, qu'il est ressuscité. Ou même, nous avons posé peut-être une question. Si on mourit vendredi, comment fait dimanche, il y a 3 jours, 3 nuits? C'est parce qu'on ne peut pas venir dans la connaissance. On va venir ramasser connaissance là, qu'il faut pas connaître. Oui, c'est 3 jours, c'est 3 nuits qui est lié. Alors, frères et sœurs, c'est 5 heures pour être ressuscité. Vine dans connaissance, vine chercher connaissance, on va connaître plus ça qui ou pas comprendre, bien aimé. Et nous connaissons, même 31, ça, mais dimanche Pâques, on a fait un concert de Pâques à l'église, dans l'après-midi, 7 heures, on a commencé, on a demandé tout le monde. Viens nous glorifier, mon Dieu, le travail qu'il te fait pour nous, comment ça t'est passé, qui gens ça t'est passé, parce que cette mission, ça, il réussit. Il réussit là-dedans, l'idée de tout est accompli, parce que mission est faite. Ça, il devine faire, il te ressuscite là-dedans. Alors, frères et sœurs bien-aimés, viens ramasser connaissance là, pour qu'on connaisse plus bien. Alors, nous connaissons bien-aimés, l'union des femmes chrétiennes nous invite à célébrer ces 30 ans de fondation. Le dimanche qui sera 12 mai dès 5 heures de l'après-midi à l'église baptiste du Rédempteur. Qui n'est pas loin là, c'est sur Flatbush et IS 26. Alors, la chorale des dames de l'église est invitée à chanter, bien aimé, et le pasteur, notre pasteur, le docteur Vladimir Duterneve, sera le porte-parole de l'évangile. Alors, frères et sœurs bien-aimés, alors, nous tous qui là, nous serons membres pour une autre. Mais on membre nous a été placé, c'est-à-dire que au mérite présent, 20 ans dit parce que membre ça a été placé. C'est vous-même qui déplacez pour le représenter. Alors, à le supporter, à le faire voir comment qui ou l'important dans la vie. Parce que ça le bail là, grand peu de monde qui n'a pas recevoir, qui pas la valeur, parce que c'est pas ça ou habitué dit. Ou même pas quitter. Pas quitter la vérité à tomber à terre. On n'a pas voulu prendre ou même ramasser. Ou même là, comme yon réserve, yon réservoir réserve, réservé pour tout ça, il prend le bail. Tout ça, on va recevoir nous-mêmes, nous disons, mettez le langage. On a pris connaissance. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons, fundraising, groupe fundraising de l'Église baptiste d'Israël, n'a pas organisé un waffle. Côté que nous connaissons bien aimé, nous ne pouvons pas prendre dîme dans le monde et nous connaissons dîme qui s'allie déjà
Quand il y a plus de monde qui dit qu'il vient à dîme chaque semaine, chaque mois, nous-mêmes ne pas prendre dîme, ni pas l'argent, et le pape j'aime l'argent. C'est-à-dire, bien aimé, nous faisons façon pour entrer l'église, parce que nous-mêmes, les nappes l'église, nous avons besoin de corps pour nous faire tout ça. Sous sorti là, nous avons besoin de corps, regardez, belle tirade nous, belle souligne bien éclairée. C'est-à-dire, nous avons besoin de corps pour nous réaliser ça qu'il nous besoin de réaliser. L'église, tout, il a besoin. Bagay ça va fonctionner là, bagay musique, et nous connaissons bagay électrique, n'importe qui choc, on bagay sauté. Ça veut dire balayer seulement, tout bagay, nous besoin de service, bien aimé. Mais nous connaissons pas recevoir la dîme, mais qu'on façon nous fait. On façon nous fait, bien aimé, pas mettre rien dans la tête, okay. C'est pour une façon qui n'a force au bagay. Nous faisons un waffle, côté qui a pris trois primes. Un premier prime, c'est un iPad. Qui a gagné deux ans de garantie. N'importe qui qui t'a frappé, écrasé pour te venir à remettre. Et nous avons un foyer qui est pour $50. Et nous avons un ice cooker qui est pour $20. Alors, ou même qui t'a aimé participer, ou qui t'a voulu mettre un petit coup de l'église avec cœur pour, faire avec un cœur, bien aimé, ou qui a inscrit dans tous les trois. Et foyer remet participer et sans remet juste écrit non depuis qu'on y a fait nos plaisirs gros papier qui a passé là écrit non non n'importe ça qu'on besoin écrit non là dedans même l'on pas besoin ou pas remet ça qu'a baillou mais juste fait ou pas bien même c'est plus petit a choisi $20 ou pas gagné inscrit non joue à ma baoul parce que vous petit a si vous pas gagné make sure que bon Dieu qu'on pas gagné. Mais Dieu s'écrit non. Sur le dernier jour, vous ne pouvez pas gagner. René dit Philippe, je inscrit pour tel coup, vous ne pouvez pas gagner. Je vais mettre le pour. Mais il faut assurer que vous ne pas gagner le vrai. Parce que bon Dieu lui-même, il pas prendre dans le bluff avec nous. Alors, frères et sœurs, on nous fait ça. Nous, tous qui là, nous sommes une frère, c'est l'autre. Côté qu'il va rentrer dans le temple, nous venons glorifier bon Dieu pour le travail qu'il fait pour nous. Quand on bagaille qu'il va respirer matin, midi, soir. Bien aimé, et vous connaissez le pas café ou à l'hôpital, c'est notre appareil pour métro qui pour qu'il beau et sans pile quoi, bien aimé. Je dis bon Dieu merci. Ou même qui l'a, depuis qu'on bagaille qui vous faites, faites, bien aimé, pour supporter l'église, parce que l'église là lui-même, il a besoin. Alors, frères et sœurs, résultat, le monde qui t'a gagné, eh bien, la sortie dans le jour qui va, 25 mai, côté qui n'a pas célébré, fête de mai, bien aimé, amen. N'a pas de monde qui sorti gagnant, la vie ne prime pas là. Nous tous qui là, on nous participe, bien aimé. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça fait un an déjà. Un an c'est long, un an c'est court. Et nous n'avons pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. C'est fait ici et aujourd'hui, on a célébré. Fêter. C'est pas un travail qui est facile, mais on s'accommode. On a demandé pour Sœur Rita, passez vite jouer nous, ou bien bah, frère Jodnel. Ok. Après ça, mon Dieu.
Après ce Moudeline. Ok. C'est Inancia. Après ce Carole. C'est Inancia. C'est Roland. C'est Ivan. C'est Lismine. C'est Fallon. Ouais. La paix soit avec vous. Le groupe des huissiers utilise ma voix ce matin pour vous saluer au nom de Jésus. Huissier, il y a 9 lettres dans le mot huissier. Suivez avec moi la définition de chaque lettre. J'appelle la lettre H. La lettre H, l'humilité au service de Dieu, Colossiens 3, verset 12. Maintenant, la lettre U. U. Unité pour la progression de l'Église. La lettre I. Imiter, c'est servir Dieu. Jean 13, verset 8. La lettre S. Servir Dieu avec détermination. Daniel 3, verset 18. Nous avons un autre S. S. Saluons les gens avec sourire. Un chronique 16, verset 26. La lettre I. La lettre I, identifier les priorités dans le service. La lettre E. Escorter les gens à la bonne place. La lettre R. Psaume 77, verset 11, rappelez-vous de ce que Dieu a fait. Yep. La lettre S. Servir nos prochains. Et maintenant, le mot huissier. Huissier. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu dans son champ. 1 Corinthiens 3, verset 9. Amen. Maintenant, nous appelons la présidente, madame, la sœur Josiane. Delva Valentin, c'est la présidente du groupe. Dans quelques mots de circonstance. Bon Dieu béni. Je dis bonjour à tous. Bonjour, pasteur Petit Frère et madame Carla Petit Frère, pasteur Duré, tous les autres pasteurs, les diacres, les diaconesses, les évangélistes, membres et visiteurs. 19 mars 2023, 19 mars 2024, un an déjà. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'être parmi vous pour fêter le premier anniversaire du groupe des huissiers de l'Église baptiste d'Israël. Nous disons un merci spécial à Dieu, notre Créateur, pour tout ce qu'il a fait. Merci à notre infatigable berger, le pasteur Vladimir Petit Frère, pour son courage, ses conseils. À tous les membres des huissiers qui ne baissent jamais les bras, aux membres de l'Église baptiste d'Israël, indistinctement qui ont accepté de nous porter soutien. Enfin, un grand merci à vous tous. Joyeux anniversaire aux huissiers de l'Église baptiste d'Israël. Par la grâce du Dieu vivant et au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous fêterons nos 5 ans, 10 ans, grandiosement. Je profite de l'occasion pour vous présenter le comité du groupe des huissiers composé par Yolande Tima, vice-présidente. Identifiez-vous, levez le doigt. Sœur Nancy, conseillère. Sœur Nancy. Évangéliste Rita, conseillère. La sœur Maudeline, trésorière.
La sœur Néhémie, secrétaire. Notre évangéliste Jodnel qui n'est pas là, c'est notre porte-parole. Et quel que soit ça n'a fait, même si nous pas attendez rien, pasteur Vladimir en tête, c'est lui-même qui fondait, c'est lui-même qui créait, c'est lui-même qui conseillait, c'est lui-même qui tout bagaille. Et moi, votre servante, Josiane, la présidente. Merci. Nous allons chanter numéro 136 et que nous connaissons sœur Néhémie, évangéliste Néhémie qui a déplacé d'avant et d'abord et puis nous allons suivre évangéliste là. C'est numéro 136, français, les chants d'espérance. Tout joyeux, bénissons l'éternel. Nous avons raison pour nous capables de bénir, non l'éternel pour ça le faire pour nous-mêmes. Tout joyeux, bénissons. Chantons et célébrons ses louanges. Suivre présentation ensemble avec nous et que n'a dit au continuer qu'un bien dans service là. Merci pour attention. Bon Dieu béni. Amen. 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 Alléluia. Nous disons bon Dieu merci pour instant ça, pour grâce ça, une an déjà. Et nous souhaitons fêter des années encore. Nous allons jouer une troisième lecture, non, par la sœur Carole, par le diagonèse Carole. Et évangéliste Donald, dans le livre de Matthieu 21, versets 1 à 11. Évangéliste Donald. Et la sœur Carole. Mettons-nous debout pour la troisième lecture qui se trouve dans Matthieu 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethagé vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi.
Viens à toi, plein de douceur, et montez sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. We're reading from Matthew chapter 21, verses 1 to 11. And when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find an ass tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you will say, 'The Lord has need of them,' and he will send them immediately. This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, 'Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, humble and mounted on an ass, and on a colt, the foal of an ass.'" The disciples went and did as Jesus had directed them. They brought the ass and the colt and put their garments on them, and he sat thereon. Most of the crowd spread their garments on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowds that went before him and that followed him shouted, "Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." And when he entered Jerusalem, all the city was stirred, saying, "Who is this?" And the crowd said, "This is the prophet Jesus from the Nazareth of Galilee." Amen. Pendant que grande chorale d'église a préparé lui pour le chanter pour nous, nous parlons bien sûr d'Agonès Carole et le frère Donald pour ramasser les dons à la gloire de Dieu. Pendant que un musicien va chanter un morceau spécial, on va prier d'abord. Adorable Père Céleste, Dieu fort, Dieu puissant, nous vous remercions Seigneur pour grâce et bénédiction. Nous allons ramasser les dons, musiciens, les hommes, et nous allons bénir tout ça, l'éternel Dieu qui est capable de participer. Et ceux qui ne peuvent pas participer, tout Seigneur, au connaît. On va bénir abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Thank you.
Thank you.
Amen. N'est-ce pas beau? 19, gloire à l'agneau. Notre chant plané. Je suis un soldat de mon roi, disciple de l'agneau. Sans peur, je confesse ma foi en Jésus, mon Seigneur. Je suis un soldat de mon roi, disciple de l'agneau. Présenter prédicateur pour moi la gloire de Dieu. Amen.
Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Qui m'a donné la peine? Hein? Pas moi qui la peine? Ok. Pas moi qui la famille Haïti? Faut demander. Ou la famille Haïti, ou la famille Haïti, ou la famille Haïti, non? Obligé dans la peine. Il y a des gens qui disent qu'ils vivent ensemble. Vous connaissez qu'ils vivent ensemble? Ils vivent ensemble. Donc, on a été de l'autre. Il y a beaucoup de balais national. Donc, de vous que mon Haïti, vous supposez dans la peine. Et pour le nom, pas de justice absolue. Donc, et nous connaissons un pays côté par injustice. Donc, par un progrès. Donc, nous devons prier pour que justice règne en Haïti. Donc, nous souhaitons que ça soit capable de faire. Et Jésus-Christ, lors de son entrée triomphale à Jérusalem, lui-même a préparé le royaume céleste. Mais les Juifs, tu pensais que Jésus-Christ a pris le gourmet contre les Romains, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ta mission, pas ça. Tu n'es pas venu pour le gourmet contre aucun monde, mais de préférence, mettez la paix entre nous. Donc, quand on parle d'Haïti, parce que le prédicateur du jour, c'est Haïti la vive. Ça a été la vie, c'est passé là, c'est moi ici. Livine pour dire la paix, moi ici. Livine pour dire la paix, moi ici. Oui, mais nous sommes toujours contents. Well. Donc, toujours accompagné de sa femme. Donc, c'est mon nom habitué avec lui. Donc, il y a une œuvre dans le pays d'Haïti, surtout dans le nord. N'est-ce pas? Et donc, si là, la paix marche très bien. Donc, la construction qui a fait, dans ce débat, marche très bien. Construction a fait, et puis tout matériau, bon marché. Oh, ah, bah, nous, oui. Matériau pas bon marché? Matériau coûte cher. Matériau coûte cher, n'est-ce pas? Et monsieur, le prédicateur va parler nous de date. Et qui a organisé, comme toujours fait chaque année, bah, yon collecte de fonds par bon site là. Et nous souhaitons que chaque monde, n'est-ce pas, font façon pour participer à la collecte de fonds là. Donc, dans le jour qu'il va faire là, c'est au mois de mai, pas trop loin. Donc, là, dis-nous beaucoup plus. Donc, si nous pas qu'à aller à Haïti, ou bien nous décider de ne pas aller, même j'avais moi décidé de ne pas aller. Je ne vais pas aller goûter avec les gars vivant ensemble. Je ne vais pas. Il faut que je les oule. Si les gars sont armés, je vais aller goûter avec les gars. Je vais aller goûter. Mais je ne vais pas aller goûter avec les gars. Je vais décider de aller. Donc, je suis dans la paix. Je n'ai pas besoin de faire le pasteur Mathieu qui vient de temps en temps. Je vais prendre la paix ici. Après, je vais aller dans le chalet. Donc, je vais être dans la paix. Ouais. Et moi, je la paix. D'accord? Hein, pardon? D'accord, il y a un chalet. Il y a un chalet. Moïse. Il y a un chalet. Moïse, c'est ça. Il n'est pas lié. Il s'en est lié. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, ça veut dire que je ne suis pas lavé. Non. Car on cause. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais les amis ont toujours été amis. Ok? Donc, prédicateur du jour, c'est le pasteur Mathieu Millien que nous demandons pour nous accueillir avec toute force, tout courage. Nous. C'est Zami Lakay. Nous comptons well à chaque fois qu'il est venu par bon ici pour partager la parole avec nous. Oui. Il y a toujours une folie pour le bel auteur. Ouais. Folie, bel auteur. Oui. Oui, non, c'est lui-même qui a introduit.
paye nous. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 23. Le saint disciple approché de côté Jésus, il y a un demi, qui monde qui peut donner dans le pays, voit qui le sera. Jésus, le meilleur timon, lui mettait le mitoyo, lui dit, ça m'a demeuré, c'est vrai. Si nous pas changer, si nous pas tourner ton cou, le timon petit, nous pas jamais qu'à mettre bien nous dans le pays, voit qui le sera. C'est peut-être ça, mon qui va se mettre tête lui devant Bourdieu. Qui va donner ton coutimoun, ça c'est lui qui va pigonner le pays moi qui nous sommes là. N'importe monde qui recevoir le timoun, ton coutimoun, ça c'est moi-même lui recevoir. Amen. Bon. Gon bagay ki rive la, mje fè un bagay mwen, nou ka pa konn sa mje fè. Mje met ton ti bam mwen. Petèt, nou menm nou konprann son bagay jwèt ki fè. Kote zanmi an, vin bel, kote zanmi an. Amen. Là nous finirons la gym. OK. Merci Jésus. Où on est après me descendre? Non, virer me qu'à tomber. Amen. Gontifi la retode dans programme 26 mai. Trois l'église qui supportait programme dans tous les trois fêter 26 mai. Quand y a montré pour parler avec tous les trois l'église ça yo. Mais avant de finir parler avec eux, faut me finir là me parler avec pasteur Vladimir. Pour qui ça? Parce que c'est pour programme m'a fait pour plaisanterie. Je ne suis pas à l'église bon, ici, je suis seulement prêché. Si je suis arrivé là, je suis prêché pour méthodiste matin. Dimanche passé, je suis pas là, je suis prêché pour pasteur Albert. Dimanche, je suis prêché pour l'autre l'église. Et chaque dimanche, je suis prêché pour yon ou de l'église. Ça permet que je ne suis pas à l'église par bon, ici, c'est supporter le ministère qui aide pour me faire travail et m'inspirer. Moi va faire nous très bientôt dans qui prend moyen dans travail ça. M'ta dit non, moi arrivé dans moitié travail là. Ça veut dire lors du arrivé dans moitié dans travail, m'a donné un pile coup de pied pour arriver côté au besoin river. Et m'ta dit non merci parce que pendant 2 ans, nous bail moi un pile support dans travail ça. Merci beaucoup. Et moi bien content aussi pour me capable qualité gens de progrès qu'a fait. Et pasteur Vladimir, son bel travail, m'apprécie ça. Et moi, ouais, vraiment, on a fait un peu l'effort. Et une belle bagaille qu'a fait. Si je suis arrivé en retard, je ne vais pas regretter de représentation, mesdames, au matin. C'est vraiment pour moi-même, je comprends si on colonne, mon nom, qu'on ouvre, n'a pas de capture qui est avion. Je comprends si on colonne. Comment est-ce que vous avez? N'est pas au test, il y a un petit qui passe pour yon. Tous les cas, pasteur Vladimir, dégage, vous voyez, mesdames, c'est dans la porte, ok? Vous voyez, puis fort dans la porte. Bon Dieu béni, non. Bon Dieu béni, non. Non béni, non, Seigneur, parce que bon Dieu, non. Non béni, non, parce que vous bénissez dans la vie. Non béni, non, Seigneur, parce que vous mettez nous à part pour vous-même. Non, bénis non parce qu'on relève non dans le travail.
Oh Seigneur, nous jouons belle position, porte-parole, servante, serviteur, pas de plus belle côté nous cahier, Seigneur, que là dans la place. Merci pour serviteur, merci Seigneur Dieu, et pour Sœur Carla qui n'est pas là, mais nous sommes en contact pour parler de message matin. Et merci pour chaque monde qui encore travaille, Seigneur. Nous bénissons, nous espérons, Seigneur, dans un temps qui n'est pas trop loin. Il y a plus grand bagage qu'on va faire dans le royaume, dans l'approchement du royaume. Bénis matin, Seigneur. Bénis chaque monde qui est là avec pardon péché dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Nous avons trouvé méditation, nous avons lu pour le matin dans Matthieu chapitre 21. Nous réaliser à travers histoire ça qui ont accomplissement de plusieurs prophéties de Malachie, prophétie de Zacharie, prophétie d'Ésaïe et prophétie de Michée. Nous capable parler de 5 livres presque qui étaient annoncés prophétie ça yo. Et matin m'te gèp m'ta médité dans l'église méthodiste et moi t'a regardé comment yo te ban nou sujet pour m'te prêcher là-dedans. C'était Matthieu chapitre 16 verset 18-19. Jésus dit à Pierre et parole qu'on déclarait, déclaration fait parce que Jésus posait question à partir de verset 13-16 là. Qui moun yo di mwenye de yo? Qui moun nou tande yo di mwenye de yo? Quelque répond yo di ou c'est li? Quelque di ou yo di ou c'est Jean-Baptiste? Quelque di ou c'est yon na prophète yo? Ok, Jésus dit ok, c'est ça yo di. C'est yo qui dit. Mais quand il est tourné vers moun pal yo, mon li chita avec yo, mon la pensée yo, mon la bay message là, la bay yo responsabilité, yo di men nou men. Si yo yo di yo, c'est tel moun mwen yo, pa konem. Mais quand ta ou men, qui laisse nous di mwen ye? La parole de Dieu dit, Pierre rempli de la puissance de Dieu pour faire yon déclaration qui pour étonner Jésus. Et déclaration pour le si tellement étonné Jésus dans le verset 20, Jésus pour le dit, puis il n'y a aucun monde parole ça. Pas dit aucun monde parole ça. Puis il dit, tu es le Christ. Alors que Christ l'avait dit, Messie. Le mot Messie voulait dire le Sauveur. Et le Sauveur t'a annoncé. Et Jésus dit dans le verset 20, pas dit aucun monde ça. Et là on va aller dans Ésaïe chapitre 22. Verset 20 à 24. On parle carrément déclaration Jésus te fait à Pierre. Je te donnerai la clé du royaume. Et dans Ésaïe chapitre 22, on parle carrément gay un homme qui te recevoir clair. C'était un prophète au temps de David qui recevoir dans main l'Éternel la clé du royaume en tant que intendant. Et puis, la parole de Dieu dit, monsieur recevoir clé ça, lui conserver lui jusqu'à ce qu'elle est arrivée, ou pas le clair, lui pas tomber dans mes mounes pour le tomber. Et la parole de Dieu dit, clair pas le tomber entre les mains de Pierre. Mais clé Pierre recevoir, c'est pas une clé dans le sens physique, mais c'est une clé dans le sens spirituel, c'est l'autorité de la parole. Et autorité parole, ça, pour vin matérialiser le jour de la Pentecôte. Lorsque Pierre campait devant une foule impitoyable, une foule immense, et Pierre présentait le message de la parole le jour de la Pentecôte. Et la parole de Dieu dit, 3000 âmes augmentées. 3000 âmes augmentées à travers la prédication, cela veut dire à travers l'autorité, la puissance de la parole qui est la clé du royaume. Et maintenant, Jésus dit à Pierre, toutes sont marées,
sous terre, li maré au silencieux là, et tout son démarré dans le ciel là, il démarré dans la terre. Comment le démarré? Lorsque vous avez une chance pour recevoir le message de la parole de Dieu. Lorsque vous entendez la parole, parce que la Bible dit dans Job en côte là, Pierre présente un message. Sauvez-vous de cette génération pervers et corrompue. Sauvez-vous. Et ce jour-là, un peu le monde vini à la repentance. Matin, puisque Jésus a été laissé dans la main Pierre, il y a un message sorti de Pierre, traversé par les églises primitives, sorti dans les églises primitives, rivé Jodia, et tout ça a fait là, les sorti directement dans la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, et tout ça a fait là, les sorti directement dans l'autorité que Pierre recevait dans main le Seigneur, et les transmettre autorité ça à des hommes et des femmes qui remplit de pouvoir d'autorité pour déclarer si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, à travers la réception de la parole de Dieu, nous avons capacité, autorité pour nous mener au monde à joindre bon Dieu. Semaine ça, c'est une semaine très importante. Une semaine extraordinaire pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, les chrétiens qui croient en Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voulais parler matin de la dernière semaine du ministère terrestre de Jésus-Christ, dernière semaine du ministère terrestre de Jésus-Christ. En tant que dernière semaine, Jésus-Christ te prend le soin pour que l'été transmette à ses disciples des responsabilités. Il te prend le soin pour le parler avec eux, pour le dire des choses. Comme il y a un patron qui peut laisser l'administration la main. Il y a un groupe d'employés et son roi d'administration, il n'y a pas qu'à lever parti, il y aller comme ça. Il prend un peu le soin pour le capable de faire des mots d'ordre. Attention, messieurs, parce que l'administration, ça, il coûte un peu le temps pour le bâtir, un peu l'investissement. Et ça veut dire que le monde l'a quitté pour prendre soin de l'administration, ça, il prend un peu le soin. Peut-être pas ce Vladimir dit ça, au cas comprendre son jouet, c'est pas rance, c'est en vérité. Nous t'es pour guetter retourner à Haïti déjà. C'est pas faute moins. Grâce à mon Dieu, nous guéchons dans le nord, nous capables. Et vrai, nous t'es pour guetter retourner. Pourquoi ça fait ça? Lorsqu'il y a 400-500 monde dans l'église, 400-500 monde, quelques fois après, il y a 600 monde, ou a gardé un gourmand la caille mon yo, et il a dit voracité qui la caille mon yo, pour y attendre, ou mettre. Service lundi à dimanche, pas jamais pas de monde. Gon veille de nuit commencer avec 50 monde là-dedans dans le mois de novembre. Avant de venir dans le mois de février, les ça nous te confèrent chaque vendredi. Après, il y a 150-200 monde le soir, le vendredi soir. Ça veut dire, ou cap comprendre, ou poser une question, mais qui ça s'est rapporté? Ou est-ce que non, l'aime rivé, ou t'as dit que ça s'est rapporté? Ce n'est pas l'argent qui rapporte, mais l'homme garde quand c'était monde qui a poursuivi la grâce de Dieu, ça coûte plus que l'argent moi-même. Nous sommes bénis. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait avant son départ. Lirez les travailleurs, des hommes de Dieu, comme le pasteur. Alors, comprendre, c'est facile parce que Vladimir a une telle responsabilité, puis lever matin, puis demander au parole. Non. Avant de sortir, il prend le soin. Pour chita avec moun. Et m'a pensé ça même la kaye madame Vladimir qui relève pendant 2-3 fois pour dire pasteur fait s'ouvrir mais ça lecture là fait s'ouvrir si je approche fait sûr que là me senti son lot de responsabilité. Son travail il prend à cœur et c'est exactement pour un maître, un pasteur,
un administrateur, un gouverneur qui a une responsabilité, c'est pas comme Ariel qui lève le bâti et puis il flan dans un avion. On fait toujours un avion. Et on connaît un seul bagage, je m'en parle comme on dit ça fait mal seulement pour voyager à l'avion. On bataille même pour mettre l'avion. On connaît ça au long, mais la passe, on bataille même pour mettre l'avion en perdu. Si l'avion tombe dans la mer, mettre l'avion en perdu l'avion. Ça fait mal pour mettre l'avion. Hein? Et pour qui? Ah, je sais pas. Je parle pas d'essayer, mais je vais gâter le message là dans la mer. Vous comprenez? Jésus fait un bagage extraordinaire. Pour ce matin, nous pouvons prendre le soin. Tant qu'il y a un bon administrateur, tant qu'il y a un bon pasteur, ou capable d'inquiétude de Jésus. Nous capable d'inquiétude de Jésus. Parce que l'Ibral quitte, monsieur. Yo. La pose la question, comment travaille la boîte? Qui s'apprête à arriver? Et première inquiétude, nous voyons Jésus, je demande quelque monde qui a Bible avec vous, pour me remettre ça moi-même. Je demande quelque monde qui a Bible avec moi pour aider à faire quelques lectures. Première inquiétude, Jésus, nous voyons ça dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 31, arrivé dans 34. C'est première inquiétude là. Si vous pas joué, je prétends les pour vous. Mais si vous jouez, oh. Ah bon, vous trouvez un monde, ça me. You have bodyguard? Yes. Okay. She's down here. C'est madame lui, pas vrai? Non. Ah bon, mais monsieur, c'est pas madame moi, allez, monsieur. Nous avons un bodyguard qui parle avec madame, il vient de comprendre. Yes. Matthieu, chapitre 26, verset 30 et verset 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Campez là pour moi. Qui peut m'inquiéter de moi, Jésus? Lui pour aller et lui réaliser, capable de bagaille qui vini, qui dégaille, qui gagne le ministère dans mes messieurs. Parce que, qui comprend très bien, en tant que maître, des bagailles, messieurs, pour aller ouais, qui pour aller faire au bac à camper. Il dit, et qui suit bien? Regardez, nous pour aller ouais, bagailles qui a passé devant nous. Il va frapper bergère. Et mouton yo va disparaître. Mouton yo va disparaître. Vous comprenez très bien l'importance pasteur dans l'église d'Allah. Dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, immédiatement, pasteur commet une erreur qui essaye sale caractère l'église d'Allah, ou bastonner l'église là, l'église a tombé en défaillance rapidement parce que pasteur, c'est le représentant du royaume de Dieu. Il va frapper berger et mon toyo va disperser. Continuez-moi. Mais après que je serai ressuscité, précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Ah, besoin d'un homme qui est brave en ce matin là. Qui pour t'avadim, il est rentré la matin, il a arrêté pasteur Vladimir. Et pour commencer, bourreau qui a arrêté là, on commence à qu'elle était mauvais. Bâton la recevoir. Mais il y a besoin d'un équipe pour venir prendre micro qu'on a pour continuer le service là-bas. Hein? Vous avez fini? Mécosé. C'est-à-dire, Seigneur dit, bagaille qui pourra arriver maintenant, il pourra pour chacun de nous, dans le sujet de à la mort de Jésus, ça peut arriver. Vous pouvez tout être couru? Vous pouvez tout être peur? Il dit, l'homme parle pour nous, un sujet de chute et de scandale.
un sujet de chute et de scandale. Mais il déclara Pierre. Continue-moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité. C'est en vérité. Même avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Qui ça Pierre te dit? Il dit, regardez, Seigneur, regardez. Puis gros chou, attendez, papa. Pierre lui répondit. Attendez, puis gros chou, attendez, Jésus. Même si tout le monde va virer d'okito, mais il y a un nègre qui a compté sur lui. Le gros poète là. Dit, moi Jésus, c'est moi Pierre, c'est nègre, gros poète, même si tout le monde court qui tombe, mais quant à moi-même, on met compté sur moi. Et puis Jésus dit, Pierre, c'est parce qu'on peut courir ça qui a passé. C'est parce qu'on peut courir Pierre, sous joué. Ou à courir. Joué ça qui peut passer, ou à courir. Pierre dit non, Seigneur. Même quand tout le monde va quitter, mais quand à moi-même, ou mettre compter sur moi. Puis Jésus dit Pierre, avant qu'on la chante trois fois, ou à dit, ou pas de chambre qu'on aime. Qu'est-ce que fait Pierre? L'histoire dit c'était une vieille femme tête chèche, oui. Qui est dans la coucaïf là, qui paraît, et puis il dit, Pierre, vous semblez avec monsieur qu'on marche avec Jésus. Puis il dit, moi-même, sans moi, non, ça prend dans là. Et puis, moi, vous doutez vraiment ça, non, pas chant qu'on aime. Et la parole de Dieu dit, pendant Pierre fait genre de défense, ça y est, qu'on la chante, coucou, coucou. Mais bien aimé, pendant qu'on la chante, la parole de Dieu dit, Pierre, entrez en lui-même. Laissez-moi dire un bagaille. Laissez-moi dire un bagaille. Des fois dans la vie, ou qu'on tombe dans l'obstacle. Des fois dans la vie, fort j'en capable fort. Chrétien j'en ka chrétien. Des moments dans la vie où qu'on tombe dans la faiblesse, c'est pas vrai? Mais pas loin le Seigneur qui dit Pierre. Là on va reprendre courage. Là, on va reprendre force. Là, on va sortir dans la faiblesse ou hier. Puis Jésus m'a dit Pierre bagaille. Ça dit Pierre. Pierre lui répondit. Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. La même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Merci de m'étaler, ma soeur. Amen. Vous m'étaler. La Bible dit dans le jardin de... Non, vous mettez Kimbel là, mais vous mettez Chita, Chita. Vous avez besoin encore. C'est un million aussi, hein? Oui. Oh, oh. Bon, tu sais, avec grand frère, la paix Chita. Laissez-moi dire au matin... Nous ne pouvons pas les prêcher tant qu'un monde qui vient à nous son message de délivrance. Pendant tout ministère à Jésus, pas oublier, il est présenté comme le roi. Et tout le monde connaît que ça va être du roi. Ouais, c'est plus la chose de lire pour nous. Nous sommes dans le passage là. Il faut la chose de lire pour nous. Il y a vrai? Les filles des Zébédée, Pierre, Jacques, Jean, ils ont tout. Ils ont commencé à poser Jésus. Maître. D'abord, la mère commence à dire, mais m'tarmen dans le royaume, non, l'on bâti royaume, non, m'tarmen pour prendre des petites moins ça, yo, pour mettre yon à droite, yon à gauche, yon André Michel, yon Maurice Jean-Charles. Y'a vrai? C'est pas juste assemblé, yon ministre finance, yon ministre qui est le intérieur? Yon ministre finance? Ouais, c'est un bon ministre, c'est un bon. Depuis à bon si on n'a pas demandé le job. Ministre l'agent. D'abord, c'est ministre. C'est qui me laisse ministre en Jésus? C'était Judas.
Ça veut dire que son ministre pour là-dedans. Et par l'autre bagarre, ils sont assassins ou se volent. Monsieur dit, maître, qui laisse qui prend le plus grand nègre, qui prend le jupi gros position dans le royaume ou pas le bâti? Ah, monsieur, Jésus dit, monsieur, si nous te connais, ça nous mandait. Il dit, maman, monsieur, si nous connais seulement des pour petit ou yo, si nous n'avons pas qu'à boire, go de divin, ça me bral boire, non? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on voulait dire un bagage matin. Si bon Dieu fait au cadeau chance, ou chita paisiblement en dans l'église là, on va adorer, dit bon Dieu merci. M'a gardé deux ou trois ans passés, l'un des bagages qui a passé en Afghanistan. Des mondes le point mettant dans des bagues, des sachets plastiques. Mon avec tout souffle dans lui parce que mon n'a croyance dans bon Dieu. Yo peut mettre dans sa chair des centaines de milliers de monde et puis il a tout fait dans sa chair à cause de la parole de Dieu. À cause de l'évangile, des serviteurs de Dieu au temps de la réformation mourir pour le nom de Jésus. Au temps de la réformation, je raconte l'histoire, bagaille était passé sur la plage de Florence en Italie. Lorsque ça a une révolution contre les chrétiens, il y a un homme qui peut mettre dans tout. Et puis on dit qu'on a une seule chance. Si on nie le nom de Jésus, on va sortir contre hier. Nie le nom de Jésus, on va sortir. À part de ça, on va cribler. Et puis ils se font déclaration à quoi Étienne te fait. Pendant la pandémie, pour nier le nom de Jésus, on voyait Jésus qui est à la droite de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, matin, laissez-moi dire, c'est pas que Pierre n'a pas nous amis Jésus, c'est pas que Pierre n'a pas de fort, mais Pierre n'a pas encore arrivé dans sa relais, un degré de maturité spirituelle. Il y a un pile baflade qui est arrivé dans la vie, ce n'est pas parce qu'on n'est pas chrétien. Pile calotte ou pas le point, ce n'est pas parce qu'on n'est pas chrétien. Il y a un bagage qui est passé dans la vie, ce n'est pas parce qu'on n'est pas chrétien. Tel que faut qu'à crier. Non, mais comment le faire crier ces chrétiens? Comment faire ça arriver, chrétien? Non. Gon bagaille qui a privé dans la vie, selon maturité spirituelle. Même si tu as gros nègre, gros conca, gros. Il y a des moments où privé dans la vie, où je caché. Et Jésus dit, mais va pour nous. Mais va pour nous. Il y a un sujet de chute. Et on sujet de scandale. Et ça nous va voir, il va frapper bergère, et puis mouton, pas oublier. Ça qu'a fait là ce qu'on est. Ces dernières semaines de Jésus avec disciples, la Dieu, mais qui s'accroît, des ce qu'a tant loin en tant que Jésus, et mais qui s'accroît tant nous même tout en tant que monde qui parle pour la responsabilité des dos. Ah, pasteur Duré. Mais ça cap tant moins dans les jours à venir. Et mais qui ça cap tant nous tout. Et après, mais ça finit passer. Pas oublier. Dimanche matin, samedi soir, Jésus finit prendre un repas à Béthanie. Et puis dimanche matin, il prend route pour entrer à Jérusalem. À Jérusalem, c'est là ça. Ballon pour le commencer à centrer. Et après, nous devons Matthieu. Et deuxième bagaille, nous pourrons le voir. Il y a l'autre bagaille qui pourra arriver. Non seulement pour le frapper bergère, mouton pourra le disparaître. Ah. Et maintenant, question pour le poser. Dans Luc chapitre 23, le verset 31. Galil Boué, Luc 23, verset 21. Non, puis le cause, oui.
le 23 verset 31, qui ça le dit? Luc 23 verset 31, quand on s'améliore, ça le dit? Verset 31. Car si l'on fait des choses au bois vert, est-il au bois sec? What? Qui ça dit? Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Merci. Qui ça me dit? C'est en dernière semaine. Et pas vrai? Première déclaration, il va frapper berger et mouton il va disperser. Deuxième déclaration, si vous avez là, nous recommençons à prendre divers facilités. Vous avez? Nous recommençons à prendre la prendre du feu? À facilité pour avec la prendre du feu. Et qui ça peut arriver avec bras sec? Vous comprenez pas, vous savez bien aimé? Qui ça me dit? Dernière semaine, ça, Jésus a enseigné disciples dernier message sur sa capitale dans les jours à venir et qui sa capitale tout qui parle pas responsabilité des dôles. Exactement, même déclaration de Matthieu, je crois que Matthieu chapitre 11, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents. Les violents, malgré violence, mais on considéré comme bras sec. Malgré violence, gen bagay dans la vie, devant yo, on va l'obliger de baisser tête, on va l'obliger de crier devant de grandes décisions dans la vie. Décision ça y est. C'est décision qui peut menacer la vie physique. Et yon nan bagay ou konnen, l'homme pas décidé pour le perdre ce corps physique là. Pas bêtisé. L'homme pas veut perdre ce corps physique là. L'homme pas gen trop importance parce que pas connaît trop importance à faire concernant la vie spirituelle, la vie dans l'au-delà. Parce que on regarde très bien la vie dans l'au-delà, pas connaît si gen moun kale déjà. Mba kwa yon ni lam, ni patat, ni djuri, ni poule. Mba yon bon sauce poisson en oua. Mais yon la terre, y'a vrai? Yon femme la koun fait manger. Le yon manger, c'est pour couper douet tout. Bon, l'on l'homme fila bidjak tout belle ti vis à ou la terre, kon yon don sa ouil. Ka Christ est ma vie. Wow. Nous parlons avec moi, non? Ka Christ est ma vie. La mort! Bon, même moi qui suis un grand monde, je vais mourir, monsieur. Je suis capable déjà. Et pas blague, non? Mais pourtant, le Seigneur Jésus a annoncé, ce que j'aime dire, pendant tout ministère Jésus, il y a un homme qui vient annoncer un royaume. Qui ça vient annoncer? Un royaume. Tout le monde connaît qui ça qui est un royaume. Présence yon wa, valeur wa, importance wa, commandement wa, autorité wa, genye, justice wa, nan royaume nan. Et tout le monde a envie rentrer dans le royaume nan. Tout le monde a envie rentrer dans la caille. D'abord, tout le monde veut dire que YouTube, que tout le bagage pour regarder comment la caille n'est pas boum, mais pas vrai. La caille vient en guerre, ben là, quand je chame d'où, c'est qu'on a eu d'où. 7 présidents, 2 vice-présidents. Parce que j'ai dit, mais on est éclairé de courir ici. Bon, si je suis le gouvernement, je suis seul bagaille. Je ne vais pas prêter mon côté parce que je suis là pour courir. Je ne vais pas courir. Mon bel bagaille, ça, j'ai fait de la femme. 7 présidents. Où je suis là? Pour ça, parce que position temporaire. Position, ça. Son position qui baille honneur. Alors, Jésus vient annoncer un bagage qui s'est annoncé là sur le royaume. Et puis, dans le royaume qui s'est annoncé, il a commencé, dit, heureux les pauvres en esprit. Oh, oh, je ne pas comprendre rien. Mais qui s'est annoncé là? C'est pauvre, c'est pas là, c'est pas vrai? Qui s'est annoncé le royaume? Très bientôt,
yo va mettre parmi sacrificateurs, yo parmi méchants, parmi criminels, yo va crucifier. Mais ça cap annoncer dans le royaume, est-ce qu'il y a un monde sérieux qui peut rentrer dans le royaume ça? Dans Luc 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il y a un royaume, c'est la croix qui parle, objet lui. Ça nous pense battre l'église. Il y a un royaume qui s'appelle là-dedans. La croix. Et tout le monde connaît la croix, c'est le symbole de l'humiliation. Tout le monde connaît la croix, c'est le symbole de la honte. Tout le monde connaît la croix, c'est tellement crié pour les vagabonds, les criminels, les assassins. Et puis on a demandé pour venir au royaume, qui n'a pas envie de demander pour c'est quoi on vient pour moi, c'est un vagabond. Mais pourtant il dit, si vous voulez venir des hommes, si vous voulez marcher des hommes, si vous voulez devenir disciple moi, si vous voulez devenir serviteur, si vous voulez devenir servant moi, si vous voulez devenir un serviteur qui marche avec moi, c'est dégagé, pas que l'autre obligé moi qui est dans le royaume, non, c'est la croix. C'est l'humiliation, c'est la déception, c'est le découragement, c'est la honte, c'est ça qui fait obliger au royaume. Pablo nous dit, ce sont des messages que le Seigneur Jésus l'a enseigné à Discipio. Et nous tous, ils ont craint Jésus de gagner. Son attitude dans Discipio. Comprenez? Et son attitude Discipio semblait me sio pas bien un peu de royaume Jésus a parlé. Parlé bien un peu de. Parce que monsieur qui a cherché position. Qui est-ce qui parle plus grand nègre? Qui est-ce qui parle plus belle position dans le royaume? Non. Mais bien aimé, laissez-moi nous bagailler. M'a dit un bagage matin pour monde qui l'a son j'aime dire message m'a bail matin c'est pas message qui dit ou pral riche non pral gain belle caille non pral gain belle machine son message qui dit sou ça passé brave qui ça pral arriver avec bras sèche là si tout nèg c'est tout pas capable pour devenir bras pral prendre fait d'a conseiller monde qui la matin pas capable qui pas capable chaler ça s'ouvre les couilles couilles une fois. Et ça m'annonce là-dedans, pita, pral, pitris. Pita, pral, pitris, parce que j'y ai pas arrivé. Mardi matin, lundi matin, Jésus, c'est dimanche matin, Jésus rentrait à Jérusalem, selon Matthieu chapitre 21, quand on se trouvait message là. C'était une prophétie de Isaïe chapitre 22. Une prophétie de Isaïe 23. Yon prophétie de Isaïe 11. Jésus pral rentrer dimanche matin à Jérusalem. Et yon nan bagay, Jésus te prend pile précaution au début de son ministère. Yon nan bagay te prend pile précaution sur lui. C'est que, ou songez lorsque Pierre dit, tu es le Christ. Jésus dit, Pierre, attention. Ou est déclaration ça en fait? C'est pas là chez les sacs fait, non? Et puis là, on vient dans verset 20, Jésus dit, regardez, Pingo, Cham dit, ok, mon nom, comment c'est Christ là? Vous ne comprenez pas? Pingo dit, ok, mon encore, c'est moi, c'est Christ là. L'elle a prêché dans toute la vie, il n'y a pas chambre du monde, c'est Christ là. Qui raison? C'est parce que le mot Christ signifie le Messie. Le mot Messie signifie sauveur. Alors, ce qu'il y a un bagage romain, il n'y a pas de l'étendre. Il y a un bagage juif, il n'y a pas de l'étendre. Il y a un bagage sacrificateur, il n'y a pas de l'étendre. Il y a un bagage pharisien, il n'y a pas de l'étendre. Le mot Messie. Il y a un message, Jésus pas voulu prêcher encore. Le fils de David, il n'a pas voulu message ça prêcher durant son ministère terrestre. Il n'a pas voulu répéter. Le fils de David, ça veut dire David est le roi. Et puis ce roi, si Jésus c'est petit David, qui est-ce qui peut remplacer le royaume? Non. Et ça fait Hérode qui a un problème. Hérode déclaré pas qu'il y a l'autre roi dans le pays. Il y a un seul roi, il est Hérode. Ça veut dire. Jésus te prend pile précaution pour non pas répéter un comme le Messie, deux comme le roi, deux comme le fils de David. Et c'est juste bien tard, il commence à annoncer qu'il est le fils de Dieu.
Yo pa gen trop problème avec yon homme qui petit bon Dieu parce que nous tous ces petits bon Dieu. Mais un homme qui vient dire pral vinn prend place et au-delà, ça cap tant noir met tant li la privé ou. Y a faut y a bon di fait. Même si c'est grave touyé, va prendre du va avec facilité. Et c'est ça femme de Dieu mes bien-aimés matin. La rentrée de Jésus à Jérusalem, c'est un événement qui pourrait matérialiser tout message que le débat entrée de Jésus à Jérusalem. La parole de Dieu dit, il y a deux grands événements qui passaient dans Jean chapitre 12. Jésus est rentré dans le temple au début de ministère. Il est rentré dans le temple en salle Galilée. Il dit, monsieur, vend cabrit. Et puis, il n'y a pas 20 cabrit, il y a un vent cabrit là, dans la croix, et il y a un vent cabrit là, en dedans temple. Il y a un marais bête dans la croix, et puis en dedans temple, c'est là, il y a un chita, il y a changé l'argent, parce que temple, tu as propre l'argent parle. Ou pas qu'à l'acheter avec l'argent national pays, c'est avec l'argent temple. Et monsieur, charge ou ça ou vle. Si tu as un cabrit, tu as un cabrit. 200, 100 deniers ou 40 deniers, il y a chargé 500 deniers. Et c'est l'une des raisons que tu es capable de garder, à faire bagaille et craser, briser ça, la vivre là. Il était là depuis autant de juifs, il est arrivé autant de Zachée. Pendant que Jésus est en route à monter Jérusalem, il rencontre avec Zachée à Jéricho. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée, si tu as sous le bureau, il y a les péages, les péageurs. Moi-même, au ça, oui. Si je mette un bon péage, il y a un petit peu de péage, il y a un petit peu de péage. Péage? Elle dit, monsieur Chita, c'est ton péage, il y a une contribution. La Bible dit, monsieur, pour recevoir l'argent dans mes mounions, il y a vrai? Et puis, il prend lui sans contrôle, casse mes mounions, prend sale padroué. C'est exactement ça qui t'a passé dans ton plan. Et puis Jésus rentré, les chavirions dans Jean chapitre 12. Les chavirions. Et puis il dit, caille ça, c'est caille papa. Vous connaissez, bon, dis-nous un petit bagage, nous pouvons saisir dans même ça. Nous avons deux mondes pour aider dans la construction de l'église là. Pourquoi j'aime longer une enveloppe dans le monde qui va converti? Pour que ça? Moun qui pas converti, il n'y a pas grand rien à voir avec le royaume de Dieu. La Bible dit dans Matthieu, voyez l'argent dans ce haut. Le monde pas grand, aucun âge à voir là en haut. Le monde, dont seul bagaille, Dieu s'est vantio, bien mangé, bien brûlé, et puis bien mourir. Mais quand on est même avec vous, nous avons un rendez-vous. Richesse nous de nouveau, nous voyons ce non? En haut, côté voleur, côté la rouille. Côté du feu, pas boule yo. C'est tout enseignement sa yo. Jésus a bâillé à disciples yo avant l'aller. Pour connaître que le royaume nous pral rentrer là-dedans. Ce n'est pas un royaume que les hommes bâtissent, mais c'est un royaume spirituel. Et le royaume, ça, c'est qui est-ce qu'il y a là-dedans? C'est Jésus. Et côté royaume n'a bâti. Il bâti. En dans cœur. Royaume n'a pas l'autre côté. Il y a dans cœur. Ça fait pour demander à chrétiens pour retirer toute vie bagaille sale dans cœur yo, dans la vie. Mettez cœur en position pour que Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, ait chance pour habiter la caillou. Grand jour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y aurait le dimanche de Rameau, la entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il y en a réussi à pas accepter Jésus. Premièrement, les fêtes n'ont pas bête. Deuxièmement, tant que roi la prendre dans la ville Jérusalem, la ville sainte, la cité bénie, comment la prendre son tibourique. Comment un roi rentre son tibourique. Et troisièmement, pendant la rentrée, moun qui sorti avec lui dans toute Galilée, tout partout après ce voile. Yon chante son chanson kap chante. Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Et Babi m'a dit,
bagay te déjà révolté pharisien yo, c'est bagay qui pral révolté yo encore nan jou entrée de Jésus à Jérusalem, c'est que yo pral tande carrément nan figure Jésus c'est le roi. Jésus c'est le roi. Yo acclamation que Jésus c'est le roi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus c'est roi dans la vie? Est-ce que vous d'accord Jésus c'est roi dans la vie? Est-ce qu'on voulait bailler Jésus trône dans la vie? Est-ce qu'on voulait le demeurer dans la vie? Si pour les pharisiens Jésus n'est pas roi, mais pour vous et moi, Jésus est roi. Si pour les pharisiens Jésus n'est pas le Messie, comme Marthe, rivière par côté Marie, il dit Marie, nous avons trouvé le Messie. Je dis André, et Marthe, rivière devant côté Marie, dit le maître est ici. Si pour le monde Jésus n'est pas maître, si pour les autres Jésus n'est pas le Messie, si pour les autres Jésus n'est pas le Sauveur, mais pour vous et moi, Jésus est notre Sauveur. Jésus est notre roi. Pour cela, je vous encourage au matin, mes bien-aimés, à servir le Seigneur avec intégrité de cœur. Que vous filles, que vous garçons, que fille, que garçon, ou gagne honneur à respecter. Vous entendez? Que fille, que garçon, ou gagne honneur pour respecter. Ou gagne au cœur. C'est le roi de gloire qui habite dans le cœur. Jeune fille ou jeune garçon, dans n'importe situation rivée, pinga comporté ou comme bras sèche, mais résister devant diabla. Nous comprenons que tentation qui a venu, offre qui a venu devant. Mais pas oublier, cœur doit être trône pour le Seigneur habiter. Bonne journée, que bon Dieu bénisse. Dieu, merci Seigneur. On parle de pasteur. Pasteur nous qui peut l'arranger, il va lui même qui a fait prière finale pour nous à la gloire de Dieu. Nous allons entonner ensemble 87 français des chants d'espérance, toujours ta divine présence.
Je ne puis être où tu n'y es pas. Là où se trouve le Seigneur. Et c'est également là où nous devons nous trouver. Voilà pourquoi notre cœur doit être l'adresse du Saint-Esprit. En ce dimanche, nous commémorons bien sûr la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il est entré humblement sur un ânon. Et Dieu veut que nous soyons humbles à travers la vie, dans tout ce que nous faisons. Tout en restant humbles, nous avons le devoir de prêcher l'évangile avec hardiesse. Et c'est ce que vient de faire le pasteur Mathieu Millien, à qui nous disons merci. Prions Dieu. Éternel Dieu d'amour, une fois de plus, nous te disons merci. Merci de nous avoir choisis pour enfants. Merci de nous avoir choisis pour ouvriers dans ton champ avec toi, Seigneur. Fais de nous des ouvriers utiles. Fais de nous des gens qui prêchent l'évangile pour que cette lumière brille partout où nous passons, Seigneur. Que nous ne soyons pas les amis des ténèbres. Donne-nous le zèle de servir, de prêcher, d'adorer ton nom et ton nom seul. On va se séparer, Seigneur, que ton ombre nous couvre, que ta paix nous accompagne, afin que nous puissions rendre juste la parole que tu nous as donnée. Au nom de Jésus, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nos menaces se tournent. Nous implorons ta présence. Allez en paix et que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Allez, nous finissons. Nous, parce que tu as ce que nous chantons en vol, c'est ça, il est tout pour nous. Mais il est fini. Ok, ma vie. Ça, c'est en prophétie qui gagne pour l'hiver. Allez, c'est bon. Bon, on va continuer. Ah, ma chère.